Ils sont aides-soignants ou infirmiers aux urgences pédiatriques. Ils ont parfois 10 ans d'expérience, mais aujourd'hui, ils sont en formation. Objectif, garantir un accueil de qualité pour ces jeunes patients malgré des conditions de travail difficiles au CHU. Le thème du jour, l'accueil d'un enfant en état grave. Une formation qui est la bienvenue selon cette infirmière. C'est vrai que c'est important de réajuster nos connaissances. On reçoit des enfants en arrêt cardio-respiratoire, mais on n'en reçoit pas tous les jours. Mais c'est vrai qu'on le fait qu'on pratique et qu'on nous, ça nous permet de mieux comprendre, de mieux faire les choses et d'être efficace quand on prend en charge un enfant. Pour la responsable des urgences pédiatriques, ces formations sont nécessaires au bon fonctionnement du service. Il faut tout le temps être au top de notre formation, donc d'optimiser la prise en charge de ces enfants. Et quelles que soient les conditions de travail dans lesquelles on évolue aujourd'hui, nous continuons à nous former pour que la prise en charge soit la mieux adaptée et pouvoir sauver le maximum de vies dès que c'est possible. Et c'est un travail de collaboration, donc tout le monde doit pouvoir être formé. Une initiative, malgré les conditions financières de plus en plus difficiles de l'établissement. Vous regardez ETV.